Sauveur. Avec nos esprits, dans l'esprit de la méditation de paroles de ces chants, Katika roya kutafakali mkwimba imwimbo. Christ, ces âmes précieuses dans ta présence. Quand tu vas visiter les autres, que tu puisses te souvenir de nous. Ce soir, nous sommes venus nous exposer à la lumière du soleil, afin que nous devenions nous-mêmes ce soleil pour les autres. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que nous pouvons sentir ta présence au milieu de nous, Frère Branham nous a enseigné que ta présence ne peut pas être au milieu des mortels et laisser ces mortels indifférents. Ta présence a des effets, ta présence a des conséquences. Laisse que ce soir, nous puissions subir les conséquences de ta présence. Laisse que ce soir, comme ce canne sec qu'on avait oublié dans le sein de ses parents, le matin il avait fleuri et avait porté le fruit. Laisse qu'à cause de cette percée, que chacun ici porte le fruit, que chacun trouve satisfaction et que chaque soif dans chaque cœur soit étanché au divin Jésus. Car l'heure est arrivée où tu as dit que tu nous parleras tous. Et nous sommes venus t'écouter
parle à nos cœurs ce soir. Mon Dieu, mon roi, ne laisse pas l'homme exprimer sa pensée, mais mets l'homme de côté et que tu puisses te saisir de lui comme les mâchoires d'âne que Samson avait pris et il a terrassé mille Philistins. Laisse que ce soir chaque Philistin soit terrassé, parce que nous savons que c'est ta manière de faire, de prendre quelque chose d'insignifiant, de prendre quelque chose qui n'a pas de considération et faire cela un monument. Nous le croyons, Seigneur Jésus. Viens descendre, Père, au milieu de nous. Et nous allons te voir dans la puissance de résurrection, comme le Jéhovah, le Créateur, comme le Jéhovah, le Tout-Puissant. Que tu puisses te mouvoir dans la salle et que tu prennes chaque esprit sous ton contrôle. Que tu nous emportes dans les lieux célestes en Christ. Oh Seigneur, là où nous ne regardons pas la notion temps, mais là où nous te verrons que toi communie avec nous. Commence avec nous, termine avec nous cette réunion. Laisse que cette réunion soit surnaturelle. Laisse que cette réunion soit spéciale, car nous te l'avons demandé au nom de Jésus-Christ, le donateur de tout don. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki. Sans plus tarder, nous allons prendre dans Deutéronome. Nous prenons de 1 jusqu'à 5. J'aimerais que vous soyez attentifs à la lecture. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Seir. L'Éternel me dit: vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple: vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants de Zaou, qui habitent en Seir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. 5, il dit: ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. Écoutez comment il termine: j'ai donné la montagne de Seir en propriété à Ésaü. Amen. Nous prenons psaume 17. Zaburi 17. Amen. Amen. Au verset 15, nous lisons tous ensemble. Vous y êtes? Nous pouvons aller. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face dès le réveil. Je m'en ressaisirai de ton image. Amen. Amen. Prière de vous mettre. Ce soir, je vous dis un grand shalom. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que vous êtes dans la joie ce soir. Amen. Amen. Je crois que quand nous sommes venus, le seul but qui a été toujours été dans le cœur de l'homme, ça a toujours été de voir Dieu. Amen. Amen. Et c'est pourquoi, par manque de la satisfaction, l'homme utilise des créatures à la place du Créateur. Tout cela voulant satisfaire une soif qui est réelle.
Mais avec la mauvaise chose. Je suis très reconnaissant envers le Seigneur Jésus. Lui qui connaît toutes choses. Par sa prescience, il connaissait ce jour et rien ne l'a échappé. Je ne peux pas finir mes remerciements sans dire un grand merci à mon père, celui que j'appelle l'ancêtre mâle, les géniteurs, pour la confiance qu'il est en train de manifester envers nous. Amen. Amen. Ceci est une preuve d'amour et un amour qu'on ne peut même pas comprendre. Et pour cela, je dis que Dieu le bénisse richement. Il lui donne beaucoup de jours pour voir ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Nous croyons cela. Merci aussi à vous, parce que vous êtes là pour écouter la parole au travers des canaux comme moi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Alors, ce soir, je voulais parler sur un sujet. Un sujet qui m'a beaucoup hanté. Depuis que le pasteur m'avait parlé que j'interviendrais. Et ce sujet est venu sur mon cœur. Je voulais qu'on partage avec vous ce soir. Et je crois que Dieu ne peut pas inspirer un sujet pour le plaisir. Il a un objectif qu'il poursuit. Amen. Mon sujet c'est retournons-nous vers le nord. Amen. Amen. Je crois que vous avez écouté la lecture. C'est Moïse le grand prophète. C'est un rapport qu'il fait aux enfants d'Israël. Israël, c'est un peuple élu par Dieu. Par la prédestination, Dieu avait déjà choisi Israël. Et Israël n'a jamais fourni d'efforts pour que Dieu l'aime. Na Israël, depuis Abraham, il était encore dans le Chaldée, là-bas à Babylone, là où on adorait les idoles. Dieu a parlé à Abraham de quitter ce pays-là et d'aller vers un autre pays. C'est que la délivrance a commencé avec Abraham. Comme la délivrance consiste de sortir de pour rentrer dans. Donc avec Abraham, Dieu avait déjà commencé la délivrance et il lui donne la promesse qu'il viendrait au temps marqué pour délivrer sa descendance. Et Israël a vécu ayant la promesse. Pourquoi Dieu ne peut pas mentir? Sa vile Mungu hashiwezi kulanda. Et comme Dieu ne peut pas mentir, na sa vile Mungu hawezi kudanganya. Moïse est apparu. Musa katokelea. Na Moïse arrive. Na wakati Musa alifika. C'est le même Dieu. Ni ule Mungu moja moja. Qui dit, mwenye kusema, j'ai vu la souffrance de mon père. Niliona mateso ya taifa yangu. J'aimerais te dire ce soir. Napenda kuelezea hii magharibi. Il n'y a qu'une seule personne. Kuna kuwaka ni mtu moja tu. Qui peut voir la souffrance de son père. Ton frère ne peut pas voir que tu souffres.
na mateso yako. Il peut croire que tu lui fais des aventures. Mais il n'y a que le propriétaire du peuple qui peut réellement voir la souffrance. Et il est venu selon la promesse. J'aimerais que votre attention soit ici. Parce que ce soir, nous allons nous retourner vers le nord. Et nous allons comprendre qu'est-ce qui est au nord. Pourquoi Dieu nous recommande de regarder au nord. Alléluia. Amen. Et quand Moïse les a fait sortir, ils ont commencé à aller vers le pays. S'il y a un peuple qui a vu des prodiges et des miracles, c'était le peuple d'Israël. Ils ont eu des choses surnaturelles alors qu'étaient naturelles. Mais arrivé à Kadesh Barnea, arrivé à la question de l'épreuve, ils ont demandé à Moïse, envoyons-nous d'abord les espions pour aller explorer le pays. C'est là que les doutes ont commencé à naître, parce qu'ils ont quitté l'Égypte sans aucun espion. Ils ont marché, traversé la mer Rouge sans aucun espion, mais arrivé à la porte d'entrée Kadesh Barnea, il demande que les espions aillent. Et Moïse a choisi les 12 espions. Quand il ramène les rapports, cela a encore bouleversé le peuple pour dire que nous ne sommes que des sauterelles devant ce peuple qui appelait le pays. Et ils ont demandé à Moïse, si tu savais qu'on viendrait ici pour mourir, il fallait nous laisser en Égypte. Ils ont repensé à leur vieille dénomination. Ils se sont rappelés des vieilleries. Or ils n'avaient pas compris que Dieu se déplace. Dieu n'aime pas rester sur place. Et c'est là que Dieu s'est irrité. Il les a dit que personne d'entre cette génération ne va entrer dans le pays. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont restés autour d'une montagne. Et cette montagne est appelée Seir. Alléluia. Seir, c'était un héritage que Dieu avait donné à Esaü. Car quand Jacob avait volé les droits de naissance, Esaü est allé vers son père Isaac pour lui dire bénis-moi. Isaac a dit, il n'y a plus rien. Il n'y a même pas de petite bénédiction. Alléluia. Amen. Esaü, Seir était son héritage. Je suis en train d'attirer votre attention vers quelque chose. Israël, descendant de Jacob, Israël, mtoto wa Jacob, avait déjà toutes les bénédictions. Mais Esaü qui n'avait rien, mais qu'on avait donné qu'une montagne, Israël arrive à cette montagne, Israël arrive kule kule mlima, il oublie l'objectif de la sortie et il veut rester autour d'une montagne d'autrui. Alléluia. Et ils sont restés là-bas à peu près 39 ans. 39 ans campés autour d'une montagne d'autrui. Et ils ont fait les contours de la montagne pendant 39 ans.
Hallelujah. Amen. Écoutez ce que Frère Branham dit. J'aimerais poser ma fondation ce soir. Frère Branham dit donc, la voix du signe. Prêchez le 21 mars 64. Paragraphe 92. Rappelez-vous qu'Israël. Qu'Israël cheminait. Savez-vous quelle distance ils ont parcouru? Ils auraient pu. C'était une distance de seulement 40 miles. Il croit une fois chaque tembe à 40 miles. Branham dit, on a écrit 65 kilomètres. Parasema karibu 65 kilomètres. Mais ils ont passé environ 40 années. Ça, wao warifa miaka 40. À la parcourir. Beko paka na tembea ile fwashi. Pourquoi? Kwa nini vile? C'est parce qu'ils se sont mis à murmurer. Ninjuba kanza kunungunika. Contre la voix qui avait produit les signes. Kunungunikia ile sauti nye ritowaka maalama. Ils étaient bien loin de s'en douter. Wao warikuwa baripasha kushimamia mbari na kwanza kushakia ile mambo. Quand ils poussaient des cris. Wakati warikuwa nalalamika. Là sur les rives, pale pembeni ya maji, qu'il dansait par l'esprit, barikuwa na cheza ndani ya roho, et que Moïse chantait par l'esprit, na Musa alikuwa anaimba ndani ya roho, il ne se trouvait là que quelques journées de marche, pale ilikuwa tu ni mambo ya masiku chache ya mwendo, mais il se sont mis à murmurer, lakini bakaanza kunungunika, et il voulait faire autre chose, na walipenda kufanya vitu vingine, alors ils sont restés 40 ans dans le désert, basi bakabakia pale miaka 40 ndani ya jangwa. Ce n'est pas. Il dit, et ils ont péri. C'est vrai. Kabisa. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Dieu a dit, Mungu alisema, Moïse, Musa, ce n'est pas contre toi qu'il parle. C'est contre moi qu'il parle. Lakini beko na ninungunikia ni mie. C'était la voix de Dieu. Ilikuwa ni sauti ya Mungu. Et non celle de Moïse. Haikuwa basi sauti ya Musa. Une distance de 65 kilomètres. Alléluia. 65 kilomètres. 65 kilomètres. Mais 40 ans. Lakini ma famille a 40. En train de tournoyer sur Seir. Seir qui n'était pas leur propriété. Seir qui appartenait à Esaü. Seir quoi ni à Esaü. Nous allons arriver. Tout à fait qui a quoi? Frère me dit. Nous allons nasema. Dans la prédication absolue. Katika maubiri tegemeo. Dans Absolu, paragraphe 120. Ayake ya miyamoja ishilini. Donc quand ils ont murmuré, kusema wakati oranza nungunika, Moïse était la boussole pour eux. Musa alikuwa ni ile kionesh. En venant ils avaient les regards sur Moïse. Mukuya barikuwa nangaririya Musa. Mais à cause des murmures, sasa njutu ya manunguniko, ils ont détourné les regards. Joba kageuka kuangaria pour regarder ailleurs. Joba kuangaria fwa shingine. Et voilà que Dieu les avait lâchés. Sasa moneni Mungu akabachiria. Ils ont commencé à tournoyer vers cette montagne. Hallelujah. Amen. J'aimerais que vous compreniez ce soir que la montagne de Seir est dans la vie de tout un chacun de nous. Quelque chose qui ne t'appartenait pas, quelque chose à laquelle tu n'étais pas appelé, mais tu te retrouves stagné là-bas. Faute de quoi? Tu commences à apprécier les conditions de Seir. Mais là-bas, Seir, il n'y avait pas de bénédiction. C'est pourquoi Frère Branham me dit, absolu, 120, alors, si vous le prenez comme votre étoile polaire, kama unamchukua saa vile ile nyota yako ya kukongoza ya kaskazini, alors cela fait absolument du Saint-Esprit votre boussole. Ile njoo nafaa kusema ni Roho Mtakatifu njoo anakuwa kiongozi wako. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Kwa nini anasema vile? Parce que c'est Dieu le créateur de l'univers. Ni Dieu ni Mungu njoo mwenye aliumba maumbile. Qui descend pour leur dire, yeye mwenye kushuka njoo kubaonesha, de se retourner vers le nord, abageukie kaskazini. Et nous devrions comprendre, sisi tulipasha kuelewa, pourquoi
Dieu les a amenés au nord? Kwa nini Mungu alibapeleka kwa kaskazini? Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, chaque boussole, kila kiongozi, a été conçu, baritunga, a ne pointé que le nord. Dieu anze kushonta paka kwa kaskazini. Pourquoi il pointe le nord? Kwa nini anashontaka kaskazini? Il dit parce qu'il y a l'étoile polaire. Aseni njoo kuna kuwaka ile nyota ya kaskazini. Frère Branham dit, wakati Branham anasema, l'étoile polaire, ile nyota ya kaskazini, c'est l'étoile fixe et stable. Inakuwa ni ile nyota ashipo kutenkaka. C'est une étoile qui ne change pas de position. Même si quelqu'un est perdu sur la mer, il a besoin que sa boussole lui montre le nom. Et une fois qu'il verra le nom, il va retrouver le chemin, le chemin pour rentrer chez lui. Branham parle d'une histoire d'un petit garçon qui était perdu. C'était pendant la guerre. Ni wakati ya vita. Et c'est perdu, ce garçon à cause de la guerre. Kijana, ya vita. Il a perdu la mémoire. Akiri mpotea. Il ne savait plus rien. Akujui tena kitu. Et les secouristes l'ont ramassé. Na wale wakusaidiana wakamlokota. Quand on l'a pris, wakati walimbeba, on lui posait des questions. Bakwa la mswali. Quel est le nom de ton père? Jina baba yako ni nani? Il dit je ne sais pas. Asema, shijui. Quel est le nom de ta mère? Ni nani mama yako? Je ne sais pas. Shijui. Tu ne peux pas te rappeler là où vous habitez. Il dit, monsieur, je n'ai aucune idée. Est-ce que tu n'avais pas de membres familiaux? Il dit, je ne me rappelle pas. Et le garçon est resté un peu silencieux un moment. Il est leur dit, monsieur, je me rappelle de quelque chose. Je ne sais pas si c'est cette chose qui peut vous aider à me ramener chez nous. Quelle est la chose, petit garçon? Il dit, il y a quelque chose dans ma mémoire. Je peux voir une colline. C'est comme une montagne. Et au-dessus de cette montagne, je vois une grosse croix. C'est la seule chose que je me rappelle à l'instant. Et les secouristes lui ont dit, comme tu y as parlé de la croix, nous avons repéré l'adresse. Fellowship Tabernacle. Alors que nous pouvions être perdus, un secouriste venu pour nous demander un souvenir. Mais on avait contourné notre théophanie. Quand on contourne la théophanie, nous oublions notre première condition. On commence à te dire que tu es Dieu. Tu dis je ne me rappelle pas. Tu étais dans Elohim. Je ne me rappelle pas. Là la croix tu étais là. Je ne me rappelle pas. Mais gloire à Dieu, il y a un souvenir. C'est une vieille croix rugueuse. Hey, amen. Hey, amen. Il y avait une montagne. C'est la montagne de Golgotha. Frère Branham dit, il devrait y avoir un calvaire pour que nous soyons ce que nous sommes. Je ne peux pas prétendre croire des grandes révélations et bafouer les calvaires. Mais quand on se rappelle du calvaire, les secouristes nous a dit, ça m'a aidé à repérer votre adresse, car au calvaire c'était le prix versé pour retourner à la maison. Alléluia. Amen. C'est ainsi que Branham dit, la boussole devient l'absolu. Tu capitaine sur la mer. Ya ule capitaine pa bahari. Parce que cette boussole, kwani ile boussole, pointera toujours le nord. Et ayez toujours ça dans votre esprit. Ce soir le feu va descendre. Manga, nous ne sommes
pas venus pour parler d'un Dieu d'occasion. Nous disons, soit il nous a appelés, soit je force les choses. Gardez ça dans votre esprit. La boussole pointe toujours le nord. Et Branham dit pourquoi le nord? Parce qu'au nord il y a une étoile. Alléluia. Amen. L'étoile polaire. Une étoile qui n'est pas ébranlable. Une étoile qui ne prêche pas ça aujourd'hui et qui nie demain. Une étoile qui garde la constance depuis le début de son ministère. Une étoile qui est l'ainsi dit le Seigneur. C'est cette étoile qui est vers le nord. Branham dit, il dit, prenez-lui comme votre étoile polaire. Alors cela fait absolument du Saint-Esprit votre boussole. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est votre boussole. Est-ce que vous le croyez? Et la boussole na ile kiongozi n'indique que l'étoile polaire. Inashontaka paka ile nyota ya kaskazini. Alléluia. Alléluia. Et si vous avez le baptême du Saint-Esprit, manake wakati kuna ile ubatizo Roho Mtakatifu, il ne peut indiquer que Christ. Itakuwa na shonta mpaka Kristo. C'est que l'étoile polaire, manake ile nyota ya kaskazini, en d'autres termes, c'est Christ. Ni Christo. Au moins que vous ayez le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et Christ est la parole. Na Christo e ni neno. Voilà le moyen de retrouver votre chemin. Si tu es perdu ce soir, comme les enfants d'Israël, en train de tournoyer, Frère Branham appelle cela la marche de la mort. Il est safari à Mauti. Tourner sur place. La même affaire depuis que tu l'as commencé. Il est mambo moja moja tangu lianzaka. Le même problème, tu nous tournes autour de ça. Les Indiens appelaient cela la marche de la mort. Safari ya lufu. Parce que l'homme est dans l'évolution. Kwani mtu anakuwaka na songa mbele. C'est que on quitte d'un point A. Ni kusema tunatoka fwashi fulani. Vers un point B. Mukuelekea fwashi ingine. Et la marche continue. Na safari naendelea. Ne vous contentez pas de faire sur place. Apana tukubakiria fwashi moja. Un capital depuis que tu l'as. Capitaine tangu wiko. Ça ne bouge pas. Au contraire, ça peut diminuer. Mais monter, ça ne monte pas. Kupanda, et puis tu t'encourages pour dire na mojo, que c'est la volonté de na Dieu. Sema, ça, c'est la montagne de Seir. Mais n'est pas ton héritage. Lakini ile, cette montagne n'était pas l'héritage d'Abraham. Alléluia. Ça, c'est pour Esaü. Quelqu'un qui n'avait pas eu de bénédiction. Ah, je crois que les élus vont exploser. Frère Branham me dit, il parle dans la prédication. Regardez à l'invisible. Frère Branham dresse une image. Une image horrible. Il parle du serpent. Le serpent qui mange un oiseau. Et il a voulu se poser beaucoup de questions. Comment le serpent, c'est un reptile qui n'a pas de pattes,
qui n'a pas des ailes. Anamapao. Mais comment on le trouve avec un oiseau dans sa bouche? Sa, sa un oiseau qui a les ailes. Ndeke, mwenye kwa na mapao. Ce frère qui peut vivre dans les hauteurs. Cette sœur qui peut vivre dans, la, dans les autres dimensions. Mais néanmoins, on la trouve dans la bouche du serpent. Frère Branham me dit. Le serpent a des techniques. Ule nyoka, yake. Quand il arrive devant l'oiseau, mbele ya ndege. Il n'est pas brutal. Pale, alléluia. Wa, il vient avec toute sa ruse. Pale, basi, yake yote. Alléluia. Amen. En te demandant est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Branham me dit. Na Branham anasema, le serpent va commencer à tournoyer, à tourner les yeux. Asema, ule nyoka, tanza leo kutengesha, tengesha menju. Il fait ça comme un jeu. Atakona itengesha saka mchezo. Et ce jeu va attirer l'oiseau. Na ile mecho, jetaona vutia ule ndeke. L'oiseau sera là en train de regarder ule les ndeke, atakona ngranjo mencho. Jusqu'à ce que le serpent va l'hypnotiser. Mpaka pale ule nyoka atamulengamisha. Et là l'oiseau. Na pale ndeke. Ne va pas comprendre. Ashtabi elewa. Plus il observe le serpent. Kubwingia kuangara ule nyoka. Plus le serpent avance. Muile wakati nyoka nasonga mbele. Plus il observe. Plus le serpent avance, tu penses que ça va marcher, mais ça s'écroule davantage. Tu crois que je peux relever de ce côté, ça bloque de l'autre. Et frère Branham me dit, jusqu'à ce que l'oiseau sera à 0 mètre du serpent, et le serpent va le manger. Alléluia. Amen. Le serpent va les manger. Mais il dit ceci. Au paragraphe 33. De regarder à l'invisible. Prêchant 1958. Il dit. Anasema. Et ça, ce sont les conseils du Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, Dieu n'a parlé qu'au travers de Frère Branham. Tout ce qu'il a parlé, ce sont des conseils de Dieu. Comme je vous ai dit, ce soir, nous allons tourner nos regards. Il est vrai que c'est difficile. Parce que quand on est habitué avec quelque chose, c'est difficile de se débarrasser. Mais Dieu va intervenir. Car il est le secours qui ne manque pas dans le moment de détresse. Branham dit, le seul moyen, selon ce que j'ai appris, pour que ce petit oiseau ait une chance de se détacher du yeux des serpents. Et l'oiseau c'est toi. L'oiseau c'est toi ma soeur. L'oiseau c'est toi mon frère. Le serpent c'est tout ce qui ne va pas dans ta vie. Le serpent c'est les ténèbres. C'est le diable. Branham te donne maintenant la formule. Il dit pour se détacher de ses yeux. Ses yeux du serpent. Et il ne peut regarder à rien d'autre. Puisque le serpent se tient là. Le fixant. Mais. Lakini. S'il détache ses yeux. Kama tu anachana, anangara fwa shingine. Du serpent. Et regardez en haut. Et bat les ailes. Il s'envolera. Et sera totalement hors de la portée du serpent. Alléluia. Amen. Et si vous avez déjà été ensorcelé par le monde et les choses du monde et l'incrédulité qui envoûte votre cœur. Vous disant, oh, mais une vie moderne,
tena. Ishi maisha we mtu wa Branama di. Branama unasema. Seku we votre tête. We katala na kichwa yako. Ce soir. I mangaribi. E regarde. Na angaria. A l'invisible. Kuisionekana. Vrigil. Mukato. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. Ebatte vos ailes. Na pika basi mabao yako. Par la prière. Kupitia maombi. Jusqu'à ce que. Mpaka pale. Vous vous envoliez. Utaruka. Totalement. Mkwe nambari. Hors de la portée du monde. Bari kabisa na dunia. Et de ses griffes. Na kutokea ile bilole yake. S'il s'adressait à vous. Et disait que la guérison divine est fausse. Qu'est-ce que Branham dit de faire? C'est couer la tête. Éloignez-vous vite de lui. S'il vous disait que le discernement spirituel c'est de la télépathie. Branham dit quoi? Secouez la tête. Katala na kichwa. Et éloignez-vous immédiatement. Na wende mbari pale pale. Élevez les yeux vers l'invisible. Na inyua macho yako kuisionekana. Dieu nous dit ce soir. Devant cette montagne. Mbele ya mlima. De regarder en haut. Tuangarie ko yulu. Or le haut c'est le nord. Japo yulu ni kukaskazini. C'est là où il y a une étoile. Ni kule njoko na kwa ile nyota. L'étoile. Ile nyota. C'est un messager. Ni mujumbe. Ça nous le savons. Kwani tunajua. L'étoile. Ile nyota. C'est un messager. Ni mujumbe moja. Un messager. Mujumbe. Qui annonce. Mwenye kutangaza. La venue du soleil. Ujio ya ile yua. Alléluia. Amen. Quand vous voyez l'étoile polaire. Tunaona ile nyota ya kaskazini. C'est que elle aussi pointe le soleil. Manake ile nyota inashota na yo yua. Alléluia. Amen. L'étoile polaire, il est nyota ya kaskazini, c'est un messager. Ni mjumbe moja. C'est pourquoi frère Branham me dit. Dans un âge, il y a toujours un prophète majeur. Parce que l'étoile polaire ne peut pas tanker. Et ce messager, c'est un absolu. Na ule mjumbe anakuwa ni tegamio. Parce qu'elle ne choue jamais. Quand elle a pointé que c'est ici, c'est que c'est cette direction-là. Alléluia. Amen. Nous sommes ensemble. La montagne de Seir, c'est tout ce qui ne va pas dans ta vie. Je veux maintenant entrer dans la matière. La montagne de Seir n'a jamais été la propriété de Branham. Aya kuyaka kamwe mari ya Branham. Dans toutes les promesses qu'on a fait à William Branham, il n'a pas mentionné montagne de Seir. Mais le troupeau de Branham, lakini wakondo wa Branham arrive à la montagne. Weko wanafika kule mlima. Il se contente de rester na là. Wanaanza furahikia kubakiria pale. Et on commence à vivre. Na tunaanza kuishi. Comme si le message n'a plus de puissance. Ndio natusa uchumbe haina tena na uwezo. Mais Dieu qui voit la souffrance du peuple. Japo Mungu mwenye kona mateso. Il nous interpelle ce soir. Weko natushutusha imangari. De regarder au nord. Anatuelezea tuangalie kaskazini. Quand nous comprendrons qui est au nord, wakati tutaelewa mwenye kwa kaskazini, je crois que toutes nos souffrances finiront. Nazania kama mateso yetu yote tamalizika. Quand nous prendrons conscience du nord, wakati tuona zamiri, et celui qui se tient au nord, na ule mwenye kushimamia kule kaskazini, Branham dit, Branham anasema, c'est là où il y a le chalet, il y a le magnétisme. Ni pale ndio unakuwa ufuto. Alléluia. Amen. C'est là où il y a l'attraction. Parce que au sud, c'est le contraire du nord. Au sud, il y a le froid.
Au sud, il y a le tribalisme. Au sud, il y a la ségrégation. Au sud, il y a des conflits. Au sud, il y a tout ce qui est mal. Mais au nord, il y a une attraction magnétique. Et ça, ça entre dans le domaine de l'âme. Je ne peux être attiré au nord que si tu as les mêmes matériaux que l'étoile. Alléluia. Amen. Frère Branham dit, nous devons comprendre qui se tient au nord. Parce que nous croyons que Dieu n'est pas un vent. Dieu n'est pas de l'air. Mais Dieu, c'est un être. Et si c'est un être, c'est qu'il doit être quelque part. C'est que Dieu doit avoir une adresse. C'est pourquoi Job a dit, si seulement je connaissais sa maison, si seulement je connaissais son adresse, j'irais toquer à sa porte. Mais ce soir, nous sommes plus que privilégiés de connaître la maison de Dieu, de connaître la adresse de sa demeure. Car au temps de la fin, nous connaîtrons qui Dieu est. Tutajua Mungu ni nani. Qui Dieu est. Ni nani Mungu. Comment il agit. Namna gani anatendaka. Et sa nature. Na asilia yake. Qui se tient au nord. Kama nasimama kaskazini. Nous devons le connaître ce soir. Tunapasha mutambua imangaribi. Frère Branham dit, Duku Branham anasema, soyez maintenant prêts. Apa muwe tayari. Et serrez vos ceintures. Na mkuwe tayari kabisa mfunge mikaba enu. Alléluia. Amen. Parce que nous prêchons dans un moment de la démocratie. Et ça a commencé avec l'apôtre. C'est que moi là, je n'ai pas peur. Quand je vais dire quelque chose écrit, je répéterai le slogan. Avalé. Alléluia. Amen. Il dit ceci dans la prédication. Apocalypse chapitre 5. Ufunuo sura ya 5. Première partie. Semu yake ya kwanza. Alléluia. Amen. Il parle ceci au paragraphe 64. Iko nasema hivi aya yake ya 64. Je vais lire 64 et je vais sauter et je vais encore terminer avec 69. Nitasoma 64 na nitasoma tena 69. Comme nous parlons d'Israël. Gisi tunasemezea Israël. Étant croyant du message de Branham, quand on parle d'Israël, nous nous voyons nous-mêmes. Alléluia. Amen. Il dit ceci. Bien. On comprend que l'une des choses les plus remarquables sur laquelle j'aimerais attirer votre attention, c'était les êtres vivants. De la dernière partie du chapitre 4 que Jean vit et qui gardait l'arche de l'alliance. Vous rappelez-vous qu'ils étaient disposés exactement comme Israël dans sa marche, les quatre êtres vivants qui sont autour du trône. Ils étaient exposés comme Israël dans sa marche. Il dit, il y avait la face d'un être vivant. Et nous avons appris que ces êtres n'étaient pas des anges. Ils n'étaient pas non plus des hommes. C'étaient des chérubins. Et nous les avons vus dans l'Ancien Testament. Près de l'arche. Nous les retrouvons dans le Nouveau Testament. Et Frère Branham commence à énumérer les êtres vivants. Amen. Il dit ceci. Maintenant, nous voyons là
Je vais un peu essayer de spiritualiser cela. Nitapenda kuleta hii mambo ndani ya kiro hapa. Ou plutôt de les dessiner à la main pour vous. Ja wala napenda kutia picha hapa kwa ajili yenu. Qui avait quatre côtés. Urukwa mangambo ine. Selon la façon dont Israël campait. Kufuatana na namna yenye Israël alikuwa anatembea. Et ça c'est l'ordre du campement. Na hii inakuwa ni mpango ya mwendo. Frère Branham dit. Na ndugu anasema. Il plaçait l'arche au milieu sur chacun des quatre côtés de la tente. Il y avait trois tribus d'Israël et trois fois quatre font douze, ou plutôt quatre fois trois font douze, et chaque groupe de trois avait une tête. Frère Branham dit au paragraphe 70, Israël, ils étaient 12 tribus. Israël, ils ont formé 4 coins. Na waritunga ile et à chaque ine. Coin, il y avait 3 tribus. Na mukila kona kurikuwa makabila. C'est ce qu'il tatu. Essayait d'expliquer. Ile njua alikuwa anafasilia. Maintenant, il dit sasa nasema, l'une d'elles était Ruben. Moja, katikati yao alikuwa ni Ruben. Il campait toujours au sud. Na alikuwa anatembelea ngambo ya kusini. Il était la tête de l'homme. Yeye alikuwa ni kichwa cha mtu. Le premier être vivant. Mulio hai wa kwanza. Et Ephraim était à l'ouest. Na Ephraim alikuwa ni ngamu wa magharibi. Avec trois tribus. Na alikuwa na makabila tatu. Il était le veau. Alikuwa ni ngombe. Puis il y avait Judas. Na kulikuwa Juda. À l'est. Alikuwa kwa asubuhi. Lequel était le lion? Ule mwenye alikuwa ni simba. Frère Branham dit. Huku Branham kuna sema. Eh oh no! Na kaskazini. Il y avait Dan. Kulikuwa ni Dan. Lequel mwenyewe était l'aigle? Alikuwa ni ule tai. C'est que oh no! Manake kwa kaskazini. Il y a l'aigle. Huku njo tai. Hallelujah. Amen. C'est que l'étoile polaire. Ni kusema ile nyota ya c'est l'aigle. Ni ule tai. Frère Branham dit. Branham kuna sema. Lequel était l'aigle? Ule mwenye alikuwa ni tai. Amen. Amen. Vous vous souvenez de? Mnawakumbuka. Maintenant, sasa, on est en train de comprendre kuelewa kama, que l'étoile qui est au nord, ile nyota yuko kaskazini, c'est un messager, ni mjumbe moja, c'est un aigle. Ni ule tai. Oh, qu'est-ce qui nous a été promis un aigle? Je crois bien na mini kama, qu'on nous avait promis l'aigle baritulaka ule tai, dans ces derniers jours. Oui, Frère Branham dit. Dans la prédication, maubiri, le lieu d'adoration que Dieu a pour vous, il dit, nous a été promis un aigle ravageur. Selon Malachi 4, cet aigle vient ule tai kunakuya, pour abolir les autres lieux d'adoration. C'est que c'est l'aigle du. Et Dieu nous demande de regarder l'aigle. L'aigle c'est le prophète. Le prophète de ce jour. C'est l'aigle ravageur. Et Dieu nous demande de regarder à lui. Maintenant mon Dieu, quand on regarde à lui, est-ce qu'il va arriver? Nous devons connaître, parce qu'on ne peut pas seulement les regarder et rien n'arrive. C'est que si on les regarde, il y a quelque chose qui doit arriver. L'étoile du nord, c'est un aigle. Il dit encore, alors remarquez, qu'est-ce qui est sorti au temps du soir? Un aigle. De nouveau, un prophète.
Au temps de l'aigle, la lumière paraîtra. Il est nourri taonekana. Je suis dans la semence, ne rite pas avec la balle. Il dit, au temps de l'aigle, la lumière paraîtra. Il est nourri taonekana. Vous trouverez sûrement le chemin. Mutapata kabisa kabisa ile njia. Vers la gloire. Yenye kuelekea kutukufu. Église du Dieu vivant. Branham dit, qu'est-ce qui a été promis pour aujourd'hui? Un prophète, Nabi Moja, un autre aigle qui vient du nord. Mais au temps de l'aigle, la lumière doit apparaître. Et vous trouverez sûrement le chemin vers la gloire. Ô Église du Dieu vivant. Or le prophète qui est venu, c'est Malachi 4. Une étoile polaire. Mais vous connaissez une écriture. Où frère Branham dit que nous avons eu beaucoup d'élis. Nous avons eu beaucoup d'élis. Nous avons eu le manteau d'élis. Nous avons eu le par-dessus d'élis. Mais élis d'aujourd'hui. Qui est élis aujourd'hui? Le Seigneur Jésus, lui-même, c'est que au nord, il n'y a pas un mortel. Au nord, il y a Dieu lui-même. L'étoile qui annonce le soleil, qui devient lui-même le soleil. Et c'est le chevauchement du ministère. Quelqu'un qui est venu comme précurseur. Quelqu'un qui prêchait qu'il viendra. Quelqu'un qui prêchait que j'attends sa venue. Quelqu'un qu'on marchait avec lui. Mais arrivé à un autre tournant. Il dit maintenant. Le soleil. Jésus-Christ. Est ici. C'est quoi? Le chevauchement du ministère qui est au nord. Il pouvait être dans le discernement. Il prêche, il prêche. Il dit maintenant. Il ne s'agit pas de votre frère. Et je vous dis mes bien-aimés, quand il disait qu'il ne s'agissait pas, c'était Dieu adoré qui était devant l'auditoire. Il ne s'agit pas de votre frère, mais du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'étoile est devenue le soleil. Et le soleil doit illuminer. Quand le soleil apparaît, il donne la vie aux botaniques. Les arbres vont fleurir. Chaque vie sur la terre a besoin du soleil. Le soleil ne peut pas apparaître et que tu tournes sur ses îles. Non, ça doit fleurir parce qu'il amène les rayons, le rayon de la vie. Et quand il amène des rayons, nous nous exposons à ces rayons. Devenons nous-mêmes les rayons du soleil. Tu deviens Dieu dans ton entourage. Tu deviens Dieu dans ton quartier. Pourquoi? Plus on reste dans les ténèbres, tu vas commencer à voir. Plus on reste exposé à ce soleil, on devient ce soleil. C'est ce mystère qui est grand. Fellowship tabernacle. Fellowship maskani. Nous devons tourner vers le nord. C'est pourquoi il nous a été lu.
Quand j'ai médité, j'avais compris et j'ai sursauté. On nous a parlé du chef canard. Ce chef canard qui vient. Le chef canard se lève quand? Quand il fait froid au sud. Branham dit. Il est né sur le lac. Il n'a jamais fait d'autres expériences. Mais quand le froid s'annonce, le danger qui vient, le chef canard se réveille. Branham dit, il va regarder avec sa bec. Et quand il va lancer le cri, c'est pour que nous puissions partir vers le nord. Et qui est le chef canard? Je ne prêche pas des hommes, mais je peux prêcher la parole. Racheté est venu comme chef canard, parce qu'au sud il fait froid. Et quand il élève sa tête, c'est pour aller au nord. Qu'est-ce qui est au nord? Il y a un aigle ravageur, un endroit où on nous amène à ne croire qu'en Branham. Au nord c'était un état que Branham devient notre absolu. Dans le moment des difficultés, alors que les serpents de ce monde s'avancent moi, je m'a dit de regarder en haut. Et qui est en haut? C'est William Branham. Lui c'est le messager. Lui c'est l'étoile polaire. Il va me pointer le soleil. Il va me laisser en contact avec le soleil. Comme c'est merveilleux, mes frères. Sikumoja. Ce soleil, cette étoile polaire du nord, est allée au sud. Là dans l'Arkansas, il devrait tenir des réunions. Alléluia. Amen. Il est du nord, mais il part au sud. Il dit au sud, il y a la ségrégation. Si tu salues un noir, on va t'arrêter. Alléluia. Il y a tout ce qui est mal là-bas. Il y a le froid. Jusqu'à ce qu'en pleine réunion, il y avait une fille, environ 19 ou 20 ans, qui était une fille de couleur. Et quand je parlerai de la fille de couleur, c'est là qui a mené un réveil dans vos cœurs. La fille est venue avec son père. Et elle a parlé à son père. Papa, je suis aveugle. Mais j'ai appris que l'étoile polaire qui ne change pas de position, mais c'est la terre qui tourne tout autour de cette étoile. Donc dans la position, cette étoile est au sud, nous pouvons aller, car dans la présence du soleil, l'impossible devient possible. Et son père lui a dit, nous pouvons aller voir cette étoile du nord. Mais malheureusement, en arrivant près de la scène, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des multitudes de gens. Et à cause de ces bousculés, la fille a perdu son père. La montagne de Seir s'est tournée toujours sur la même chose. Toi, tu veux être guéri. Le papa qui était ton guide, on te l'arrache. Alléluia.
Alléluia. Ce qui était comme ton espoir, on te le prend pour que tu restes assailli, que tu meurs assailli, qu'on t'enterre assailli. Mais Dieu ne t'avait pas promis assailli. Lui-même ordonnera aux choses pour que tu entres dans la présence de ce grand soleil. Alléluia. Amen. Et quand la fille a perdu son père, elle a commencé à crier: Papa, 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 Papa. Tellement qu'il y avait la ségrégation. Quand il touchait un blanc, on l'a bousculé pour eux. Il ne méritait pas la vie. Et la fille titubait. Il n'y avait plus l'espoir. Alléluia. Cela compte sur leur char. Cela compte sur leur chameau. Mais nous, nous n'avons que l'Éternel. Et il est le secours qui ne manque pas. Alors qu'elle était en train de marcher, elle ne savait où aller. Elle s'est dit en elle-même: si seulement on peut m'aider à retrouver cet homme, je retrouverai mon père. Ce soir, qu'est-ce que tu es venu chercher? Est-ce que tu cries aussi Papa? Est-ce que tu cries à la guérison? Est-ce que tu cries à la bénédiction? Mais dis-toi aussi: si seulement on peut m'amener en contact avec cet homme, je retrouverai ma guérison. Car ça n'a jamais manqué. Elle savait comment prier, mais elle n'a jamais prié parce qu'elle avait essayé beaucoup de fois. Elle était toujours aveugle alors qu'elle était dans ce tourment. Alléluia. Amen. Comme la profondeur appelle la profondeur, là où était frère Branham, il sent que je dois quitter l'estrade parce que la fille ne pouvait pas arriver à l'estrade. Lui, l'étoile, le soleil, il sent que je dois quitter l'estrade pour aller à la recherche de cette fille. Il dit: il y avait beaucoup de gens, je me suis déguisé pour qu'on ne puisse pas me voir. Alors que la fille criait: Papa, il a heurté Branham. Il a heurté Branham en criant: Papa. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu es venu chercher? Ne prenez pas ça comme de la blague. Car quand l'omnipotence se proclame, le miraculé doit se déclencher. Le tout puissant était là, mais dans un homme comme nous. Et la fille a dit: au moins j'ai trouvé un seul blanc qui ne m'a pas rejeté. Au moins j'ai trouvé un seul blanc qui ne m'a pas rejeté. Peut-être c'est aussi un noir. Alléluia. Amen. Et quand il l'attrape, il lui dit: où est-ce que tu vas? Elle lui relate pour dire: j'étais venu pour voir cet homme. Là-bas, il appelait les guérisseurs du vin. Mais
J'ai perdu mon père. Lakini baba yangu tunapoteana. À cause de bousculade. Juntu tukurwa msukumo mingi. Hallelujah. Amen. Tout ce qui me restait comme espoir. Yote yenye nilikuwa nayo sasa vile tumaini tena. Est parti. Inaenda. Et je ne sais pas comment les retrouver. Na mimi sijui tena namna gani kutana nao. Mais je te demande une chose. Sasa nakuomba kitu kimoja. Amen moi vers cet homme. Unipeleke kwa huyu mungu. Je veux regarder au nord. Napenda kuangalia kaskazini. Je veux quitter ce pays. Napenda kutoka ce pays. Je veux quitter cette difficulté. Napenda kuachana na hii mateso. Mais si seulement tu peux m'aider. Sasa tukamwezi kunisaidia. A toucher cet homme. Niende tu niguse huyu mungu. Branham dit. Branham asema. Là où j'étais. Ile fois chini ilikuwa. J'ai senti des frissons. Nikasikia baridi maungu. J'ai senti des frissons. Maungu ikanitembea. Alors que Jack Moore lui avait dit. Ile wakati Jack Moore alimuonesha. Ne touche pas les noirs. Tu vas gâcher la soirée. Or lui avait un mystère avec les noirs. Lui a senti des frissons. Alléluia. Amen. Et la fille lui dit, aide-moi. Branham dit, tu as dit si je t'amène à cet homme, tu vas retrouver ton père. Elle a dit certainement, monsieur. Branham lui demande, qu'est-ce qui te prouve? Elle dit, j'ai entendu à l'émission ce matin qu'il y avait un autre aveugle comme moi, les cordonniers du coin là-bas. Il est seulement entré dans sa présence. Les cordonniers donnaient des témoignages. Mes frères et sœurs, ce message, c'est l'actualité. Ne prenez pas ça comme une histoire passée. Tu peux t'identifier à l'instant même. S'il y a un paralytique, il peut se tenir debout et marcher. Celui qui guérit n'est pas moi, mais l'auteur de la parole. Frère Branham dit, alors je vais t'amener vers cet homme. Il s'est dit, soit je joue à l'hypocrisie, il serait mieux que je lui dise. Il a dit, je suis frère Branham. Alléluia. Amen. Je suis frère Branham. Frère Branham. Pour cette fille, c'était le moment de la vie ou de la mort, car c'était la seule possibilité qu'elle puisse retrouver son père. Branham dit, elle m'a tenu dans la veste. Elle a dit, si c'est toi, je ne te relâche pas. Or je connais la Bible. Jacob a combattu avec lui. Ari kombana naye. Ale tena. Ari mushika. Pour lui dire. Mukusema. Je ne te relâche pas. Shita kwa chakamwe. Jusqu'à ce que. Paka pale. Tu me bénisses. Utanibariki. La fille. Ule binti. A aussi dit. Ari sema pia. Si seulement que c'est toi. Mi shita kwa cha. Moi je ne te relâche pas. Mi shita kwa chiria kamwe. Alléluia. Amen. J'aimerais que vous écoutiez. Itapena. La prière maombi que Branham fait pour cette Inyewe fille. Amen. Amen. Il y a l'onction ce soir dans cet auditoire. Ça dépendra de ton attitude, mon frère. Cette onction est capable de transformer ta vie na uwezo ya kubadilisha maisha yako. De la même manière. Namna moja moja. Alléluia. Amen. Qu'il avait fait pour cette fille. Frère Branham dit, c'est dans la prédication de l'expectative. Il dit quoi, frère Branham? Il dit ceci. C'est au paragraphe 28 à 32. Branham dit, alors elle a incliné la tête comme celle-là. Et voici la prière que j'ai faite. J'ai dit, tout puissant créateur,
Créateur des cieux et de la terre. Mumbaji wa mbingu na udongo. Exauce la prière de cette pauvre fille noire. Kubali maombi ya ubinti mweusi. J'ai dit. Nilisema. Il y a quelque 1900 ans. Kuna kwa miaka karibu 2000. Une vieille croix rugueuse. Ile msalaba ya zamani. Passait dans les rues de Jérusalem. Ilikuwa napita mikoba ya Jérusalem. Effaçant les empreintes des pas ensanglantés. Na ilikuwa naacha ile manyau ya damu. De celui qui l'a porté. Ya ule mnyao alikuwa naibeba. Tandis qu'il montait la colline. Ule wakati alikuwa anapanda ile mlima. Son petit corps frêle. Ile mwili yake mdogo. Tomba sous le poids du grand fardeau. Ikaanguka chini ya ile uzito kubwa ya ile msalaba. Une telle prière Dieu est sensible. Ii maombi ya inamna Mungu abakie kimya. Une prière pareille change tout. Maombi ya inamna inabadilishaka byote. Frère Branham dit. Branham anasema. Il ne pouvait pas aller plus loin. Akuwezake tena kwenda mbali. Il saignait. Alikuwa anatoka damu. Il portait une couronne de pine. Alikuwa shamuvuika ile taji ya diva. Tête kukichwa yake. Et ses épaules étaient écorchées. Na mabeka yake yalikuwa choka. Son dos saignait. Ile mkongo yake ilikuwa inavuisha damu. Il était meurtri et blessé. Alikuwa bashamupika fimbo na bilonda. Le sang coulait dans la rue. Damu ilikuwa inatiririka barabara. Alléluia. Amen. Il dit anasema Simon l'Éthiopien. Ule Simon wa Ethiopia. Un homme de couleur. Muntu mweusi. Qui venait là. Mwenye alikuwa anakuja pale. Ah Seigneur Jésus. Eh Bwana Yesu. Alléluia. Amen. A pris la croix. Akachukua ile msalaba. Et il s'est dit. Na alisema ndani yake. Je vais l'aider à la porter. Nitamsaidia kunyangula hii msalaba. Je vais l'aider à porter la croix. Nitamsaidia kunyangula hii msalaba. J'ai dit. Na alisema. Dieu bien-aimé. Mungu mpenzi. Souviens-toi. Kumbuka. Alléluia. Amen. Souviens-toi de cela. Kumbuka ko ile mambo. Seigneur Jésus. Bwana Yesu. J'ai dit. Nilisema. Voici une de ses enfants. Ona basi hapa. Mmoja katikati ya watoto yake. Une de ses enfants. Mmoja katikati ya wabinti yake. Tituba dans une obscurité totale. Eko na pempa ndani ya giza kabisa. Or l'étoile polaire pointe le soleil. Hichapo. Ile nyota kaskazini inashota kaliwa. Nous qui regardons nous titubons dans une obscurité totale. Tukunangaria na tukuna pempa katika giza kubwa. Branham dit. Branham anasema. Dans une obscurité totale. Et j'ignore pourquoi tu m'as envoyé à côté de ces bâtiments. Amen. Amen. Mais nous avons appris. Lakini turijifunza. Que les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Kama mwendo ya walio ai. Dans ces cas, Seigneur. Dans ces cas, Seigneur. Oui, mambo bwana. Tout ce que je peux faire, c'est de te demander. Je te prie de rendre la vue à cette pauvre jeune fille. Accorde-le, Seigneur. Branham dit, les vibrations du cancer. Ile mtetemeko ya kansa qui était dans ses yeux. Inye ilikuwa ndani ya macho yake. Des cataractes. Ya cataractes. On cessé. Ikaacha. C'était le seul moyen que j'avais pour reconnaître cela à l'époque là. Amen. Amen. Elle a dit. Narisema, non, non, il dit. J'ai dit ne relève pas la tête. Anasema, apana kunyua kichwa. Jusqu'à ce que je te dis. Paka pale nitakuelezea. Maintenant garde les paupières fermées. Sasa funga tu mencho. Amen. Amen. Elle a dit oui monsieur. Narisema, ndio, bwana. Je sens une fraîcheur dans mes yeux. Na, mina shikia ubaridi fulani mumecho ya. J'ai dit garde simplement la tête inclinée. Narisema, we, inama tu. Maintenant ne relève pas la tête. Sasa hivi hapana kuinua kichwa. Ne relève la tête qu'au moment où tu penses que tu verras correctement. Ah, sasa utainua kichwa mpaka ile wakati utawazia sema unaanza kuona mzuri. Elle a dit oui monsieur. Alisema ndio bwana. Et j'ai dit ça va. Na nilisema mzuri.
Maintenant, ça. Au nom du Seigneur Jésus, mon jina ya Bwana Yesu, reçois ta vie. Anza kona. Ouvre les yeux. Fungula mecho. Elle a dit. Narisema. Est-ce que c'est les lampes? Eti ni mata. J'ai dit. Narisema. Oui. Kabisa. Elle a dit. Narisema. Cette tache qui passe à côté de moi. Est-ce des gens? Eti ni watu. J'ai dit oui. Nilisema ndio. Elle a dit oh Seigneur. Bwana. Moi qui autrefois. Mimi mwenye zamani. Était aveugle. Nikuwa kipofu. Maintenant. Sasa. Je vois. Niko naona. Oh là là. Hey, man. Elle a attiré l'attention. Akavutia. De tout ce qui se trouvait là. Pale. Elle a hurlé. Nakalalamika. Et a sauté à l'air. Pourquoi? Kwanini? Le nord change de condition. Iko na badirisha mahali. Le nord ile kaskazini change de situation. Iko na badirisha mambo. Qui est ton nord? Ni nani mwenye kwa kaskazini? C'est l'aigle ravageur. Ule tai wa kupomona. William Branham. William Branham. Avec sa Bible. Basi chukua Biblia yako. Un homme courageux. Muntu adripala. C'est celui qui se trouve au nord. Ni ule mwenye kwa kaskazini. Mes frères, sous l'onction de Malachi 4, je vous déclare ce soir, pour avoir tourné vos regards vers le nord, que chaque difficulté se transforme dans une opportunité absolue. Que celui qui était malade rentre guéri au nom de Jésus-Christ. Même celui qui avait une dette à cause du nord, la boussole qui m'indique le nord, que tu payes tes dettes. Que tu payes tes dettes. C'est lui qui n'avait pas le Saint-Esprit. Pour avoir regardé au nord. Car Dieu qui a dit. Retournez-vous au nord. Il sait que je vais entrer dans le pays promis. Quand je me retourne au nord. Je deviens une personne différente. Quand on retourne au nord. Même sa démarche change. Alléluia. Amen. La montagne de Seir ne peut pas te résister. Car il a été dit. Qui es-tu grande montagne? Qui es-tu grande montagne? Devant qui? Devant qui? Mbele ya nani? Devant Zorobabel. Mbele ya Zorobabel. Celui qui est ton nom. Ule mwenye kwa kaskazini. Celui qui a le pouvoir de l'infaillibilité. Regardez au nord, ne peut pas faillir. Mwenye kwa ngara kwa kaskazini hawezi kuanguka. Ma prière ce soir. Maombi yangu jioni. Et que Dieu confirme ces paroles. Mungu hakikishe neno lake. Car ce ne sont pas mes paroles. Kwani haiko maneno yangu. À moi, il n'y a pas de bonnes paroles. Mais moi j'ai répété que William Branham. Je répétais un homme qui pouvait dire dans l'auditoire. Alléluia. Amen. Que maintenant le créateur de la Genèse est à quelques mètres de moi. Pendant ce moment-là, on ne voyait que Branham. Il est en train de s'avancer. On ne voit que Branham. Il a quelques centimètres. Je ne vois que Branham. Jusqu'à ce qu'il dise. Ça y est. Même quand il dira que ça y est. On ne verra que Branham. Laisse que cette onction bouleverse
bouleverse les camps de l'ennemi, qu'il change les courants de ta vie. Là où on avait dit que c'est terminé, Dieu m'a dit, regarde Abraham. Et c'est tout ce que je dois faire. La dernière citation. La dernière citation. Alors que je vous demande d'être debout. Frère Branham dit, nous sommes dans ces jours-là sur le calvaire. Au paragraphe 35. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Car nous devons quitter Seir pour entrer dans notre promesse. Frère Branham dit, une bonne vie, c'est la volonté de Dieu. Une bonne vie, c'est la volonté de Dieu. Que nous puissions quitter les conceptions selon lesquelles, pour être un enfant de Dieu, on doit souffrir. Non, monsieur. Moi, je dois regarder au nord. Qu'est-ce que frère Branham me dit? Mais lakini, tu agis au moment où rien d'autre ile wakati hakuna hata kitu kimoja ne peut agir. Hakiwezi kutenda. Nous avons appris, tulijifunza kama Seigneur, Bwana, que si nous avons des rivières, kusema kama tuna mito, que si nous avons des montagnes, kusema kama tu kuna milima. Est-ce que quelqu'un a une montagne ce soir? Quelqu'un a un seir ce soir? Branham dit, nous avons appris, Seigneur, que nous avons des rivières que nous ne pouvons traverser. Que si nous avons des montagnes infranchissables, Dieu, spécialiste, wakubijua, mjuzi kabisa, ça veut dire manake, quand c'est difficile, wakati binakuwa byangufu, c'est son domaine, ni njo kazi yake ile. Quand ce n'est pas encore difficile, wakati byakankamana byakuwa byangufu, il te laisse te débrouiller. Eko na kuacha mbele na kombana kombana. Mais quand ça devient difficile, lakini wakati binakuwa byangufu, on appelle un spécialiste seulement quand le cas devient difficile. Mais Branham me dit, Dieu est spécialiste des choses que les autres ne peuvent pas. La montagne que les autres ne peuvent pas. Ce soir, nous avons trouvé le spécialiste et il va agir. Le terrain est déjà préparé. C'était comme la vision du caribou, la vision de la chemise carolée. Je sens que les conditions sont réunies. Je ne vois pas ce qui peut l'empêcher à faire quelque chose dans ta vie. Tu as cru qu'il y a quelque chose au nord. Tu as tourné ton regard au nord. Tu as suivi un chef canard au nord. Alors laisse que les magnétiques, laisse que l'électricité de Dieu produise le courant dans ta vie, et que tes ennemis, les enfants d'Esaü, changent de langage, car ils diront, ça ce n'est pas un homme mais c'est Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Me pareque.
acclamons très fort. Kélé, kélé.